There it is, the Parc des Princes. What a beautiful setting for tomorrow night's match. Match day 4 of the Champions League is going to take place here, Sabrina, in the Parc des Princes, this sacred stadium for all fans of Paris Saint-Germain. And tomorrow night, a big night. It's Club Brugge, who are currently leading the Belgian First Division standings. And Paris Saint-Germain, if they can make it 4 wins from 4, will be qualified for the last 16 of the Champions League. Welcome. We're here, by the way, for the press conference. Shouldn't forget the main reasons why we're here. The coach, Thomas Tuchel, and Idrissa Gana Gueye are coming up in the press conference pre-match in just a couple of moments' time. The press conferences, which will be subtitled live in English for our English friends joining us this evening. Quelle technologie. Bonjour à tous. Bienvenue au Parc des Princes. Ah, and the coach is there. Et bien, à tout à l'heure. Voilà, le coach est là. Here. Enjoy. En présence de Thomas Tuchel, entraîneur du Paris Saint-Germain. Idrissa Gueye va nous suivre après. Comme d'habitude, on vous demande de lever la main, d'attendre le micro et de vous présenter avant de poser vos questions. Vous pouvez y aller. Bonsoir Thomas, Nicolas Payard, InfoSport Plus. Depuis le début de la saison, le bilan est parfait pour l'instant en Ligue des Champions. Que des victoires, 9 buts, aucun encaissé. Faut poursuivre ce chemin face à Bruges demain pour assurer déjà la qualification. C'était quoi la question ? C'est pour l'instant, le bilan est parfait en Ligue des Champions. Oui, avec j'ai compris. Victoires. Et à la fin ? Demain, il faut confirmer justement face à Bruges. Est-ce que c'est une finale du groupe pour assurer la qualification pour les huitièmes ? Moi, non, je ne pense pas de cette chose. Ce sont des conséquences. Au début, c'est notre performance. On doit adapter parce qu'on a eu des difficultés avec Bruges pendant les premiers mi-temps, avec le pressing très très haut et avec le jeu qu'est-ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont joué avec beaucoup de courage, très très haut, très agressif. Et on a eu besoin de beaucoup de minutes pour adapter. À la fin, c'était une victoire méritée, une victoire extraordinaire avec 100 buts, mais c'était beaucoup de minutes compliquées pour nous. Et voilà, c'est maintenant, demain, le match ici au Parc des Princes pour améliorer, pour adapter, pour être préparé. Et j'espère que nous sommes préparés. On a fait une réunion tactiquement aujourd'hui, on a fait un entraînement tactiquement aujourd'hui. Pour être préparé pour toutes les situations. Et voilà, si nous sommes capables de faire ça bien, que nous sommes capables de montrer notre mentalité d'être compétitif, c'est voilà, on a la possibilité de gagner encore. Et si on a gagné, la conséquence peut être que nous sommes qualifiés. Mais ça, le résultat et les conséquences, ça sont des conséquences de notre performance et on peut seulement contrôler la performance et pour ça nous sommes responsables. Bonjour Thomas, Dominique Serac, Le Parisien. Les médias allemands disent que le Bayern Munich vous a contacté pour devenir l'entraîneur cette saison pour remplacer Nico Kovac. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que le challenge vous intéresse ?
Non, ça ne m'intéresse pas parce que je suis entraîneur de PSG. J'ai un contrat cette semaine-là. Et la dernière fois que j'ai checké, c'est, j'ai aussi un contrat pour la saison prochaine. Et pour ça, je ne peux pas penser une minute d'autres clubs. Bonjour, Arnaud Herman, l'équipe. Qu'est-ce que vous avez dit depuis lundi quand vous avez retrouvé vos joueurs sur la performance de Dijon? Est-ce que vous êtes un peu expliqué? Est-ce que vous en avez parlé avec Leonardo, s'il vous plaît? Si je peux parler avec Leonardo? Du match de Dijon, parce qu'il en est parti assez agacé, je crois. Pardon? Il est parti déçu, un peu agacé. Ah, mais oui. Vous c'est pas possible de trouver une personne dans le bus ou dans l'avion qui n'est pas déçu. Et je pense que c'est le même pour lui que pour nous. Si on perd un match, c'est comme ça. Si on perd un match comme ça contre le dernier dans le tableau, c'est toujours difficile, très difficile d'accepter et d'exister. C'est vraiment difficile et c'était nécessaire de prendre deux jours. Et après, on a parlé avec les joueurs, on a parlé des choses tactiquement, de mentalité, comment on commençait ce match-là. Parce que si on joue deux mi-temps différentes comme ça, oui, on sait que peut-être on a donné l'occasion que les choses peuvent passer comme ça. Mais nous sommes pas les derniers, nous sommes pas les premières équipes qui perd un match. Nous sommes pas les dernières équipes qui perd un match comme d'être favorite et perdre un match contre les derniers du tableau. Ça peut passer dans le foot, mais c'est pas passé si on joue deux mi-temps comme les deuxième mi-temps. Et c'était trop tard parce qu'on a commencé dans une manière rien peut passer. Et des choses sont passées. Et voilà, c'est toujours comme ça. On déteste perdre. Nous ne sommes pas habitués de perdre. Nous sommes une équipe compétitive, mais nous sommes aussi évidemment une équipe qui peut perdre contre Dijon dans un vendredi soir. Et oui, on doit améliorer. Et c'était nécessaire de parler de cette chose-là, honnêtement et critiquement. Et nous sommes ensemble, c'est la responsabilité de nous, c'est la responsabilité des joueurs, Emma et moi. Et voilà, on doit améliorer, on doit apprendre. Et pour ça, peut-être, c'est une autre bonne leçon pour nous. Bonjour Thomas, Bertrand Mottelier du Parisien. Vous utilisez à chaque match André Di Maria depuis le début de la saison. On sent qu'il est très en confiance, que vous l'entourez particulièrement. Est-ce que c'est un garçon, par sa sensibilité, sa personnalité, a besoin d'être particulièrement entouré par son coach, par sa famille, par tout le monde? Oui, je pense que c'est comme ça. Oh, vous avez dit qu'il est un gars sensitif, sensible. Yeah. Oui, il est. Et je connais beaucoup de joueurs qui sont comme ça. Il y a des joueurs qui n'ont pas besoin d'un coach très très proche et qui jouent avec beaucoup de confiance, presque tout seul, mais fidèle. Il doit être, je pense qu'il doit avoir une relation proche, une relation honnête, une relation proche, qu'il peut vraiment sentir la confiance. Et après, il est capable de faire des choses décisives pour nous. Mais c'est pas ma responsabilité. Au début, c'est la responsabilité et le crédit de Dima. Et après, il a fait ça pendant les premiers mi-temps. Quand j'étais arrivé, il était là, il était professionnel, il était extraordinaire, il était toujours prêt pour travailler pour les autres. Il était super fiable pendant les premiers entraînements entre nous.
Et voilà, après, c'est aussi facile de pousser et de donner des responsabilités, de confiance pour un joueur, parce qu'il a commencé comme ça. Après, c'était facile pour moi de pousser lui ou de donner de confiance. Et après, c'est plus facile pour lui de faire peut-être encore plus. Et c'est encore plus facile pour moi de pousser et de pousser encore et encore. Et voilà, comme ça, une relation très proche. Et entre nous, et ça veut dire, c'est proche, mais c'est aussi honnête, c'est aussi possible de faire une critique s'il fait des choses qu'on ne veut pas, mais c'est super, c'est super fiable et très décisif pour nous, et c'était super bien. Bonjour, ici Ambre Godillon pour Yahoo Sport. On va continuer sur Angel Di Maria. Vous parlez de ses responsabilités. On voit qu'il est de plus en plus à la création des occasions. Quel regard vous portez justement sur ses responsabilités sur le terrain? Et quel regard vous portez sur sa relation avec Kylian Mbappé? On voit qu'il grandit de match en match. Merci. Oui, mais les joueurs comme les deux, Angel et Kylian, mais sont des joueurs extraordinaires. Les joueurs extraordinaires peuvent toujours jouer ensemble. Et c'est un droitier, c'est un gaucher. Il aime d'être des choses décisives. Et il joue ensemble beaucoup de fois. Il fait entraînement ensemble toujours. Et c'est aussi le défi pour les deux de créer des choses ensemble. Ça, je demande ça. Hein. C'est absolument nécessaire, mais c'est une, oui, il aime de jouer dans des demi-espaces à côté et dans des faces. Ce sont des postes très sensibles, sont des attaquantes et voilà. S'il marque beaucoup, s'il fait beaucoup de choses décisives, s'il cherche et trouve un autre beaucoup de fois, c'est une chose très très bien pour l'équipe. Voilà, pour l'équipe. Et c'est aussi nécessaire qu'il adapte à notre style, dans le style de notre équipe, et qu'il joue fiable. Et voilà, ils font très très bien ensemble, mais on demande ça. Bonsoir, une question de la Belgique. Est-ce que vous vous attendez Bruges de la même façon que chez eux? Et deuxième question, si vous faites l'analyse des grandes équipes européennes en ce moment, est-ce que c'est la saison idéale pour gagner le Champions League? Et on va le chaque Bayern. Saison. Chaque saison est une saison idéale pour gagner. Mais spécifiquement chaque saison. Il y a le Bayern qui tourne pas, le Barça tourne pas. Mais bien. Mais c'est novembre. Les mauvaises choses, c'est novembre. Et Real a fait beaucoup, mais aucune équipe a gagné en novembre, hein, la Ligue des Champions. En novembre, et Real Madrid a fait beaucoup de choses en Ligue des Champions, mais il n'a jamais gagné en novembre ou décembre. C'est pas possible. C'est pour ça, on doit rester sur le terrain, avec les pieds sur le terrain, et être, c'est quoi? Modeste, mais être modeste et pas penser trop de gagner, parce que c'est pour nous c'est un grand défi maintenant de gagner le groupe et après dans les phases le 8e finale, 4e finale, j'espère que c'est un grand défi pour nous. Voilà. Et la première partie, oui, je ne sais pas. Et j'ai vu Bruges à Real Madrid. C'était dans quelques minutes très, très, très courageux, très haut, fait un pressing très, très haut. C'était pour récupérer le ballon dans le camp adverse, pour faire deux buts. C'était possible de faire deux buts à Real Madrid. C'était très impressionnant. Contre nous, à Bruges, c'était plus courageux et plus agressif dans le stade à Bruges. Pour demain, je ne sais pas. On a eu la capacité d'adapter, de faire 5 buts. Et voilà. Pour moi, c'est une équipe très, très courageuse. Et c'est le style de eux de faire le pressing beaucoup, très, très haut sur le terrain. Et pour moi, j'attends qu'ils vont essayer demain
aussi, parce qu'il n'a rien de perdre. Et c'est dans quelques minutes, ils vont essayer. Ce n'était pas possible pour eux de faire ça 90 minutes à Real Madrid, contre Real Madrid, à Santiago Bernabéu. J'espère que ce n'est pas possible ici, au Parc des Princes, mais ça dépend de notre qualité, ça dépend de notre adaptation, de notre qualité, notre précision et notre jeu dans la structure. Et ça dépend que on doit être très très attentif et on doit être préparé pour toutes les situations. Mais je ne sais pas, c'est une équipe, très agressive et ils jouent un peu fou, hein, un peu bizarre, pas complètement structuré contre le ballon, mais quelquefois ils jouent un contre un dans tout le terrain. Et c'est un peu extraordinaire, c'est un peu extraordinaire. Quelquefois, c'est un peu fou. On doit vraiment jouer avec précision, calme. On doit jouer très, très vite. On doit faire des décisions très, très vite. Et on doit adapter à toutes les choses. Mais on doit être préparé pour toutes les façons. OK, my name is Omar Katsuba. I work with omarsports.com. You earn a lot as the manager of PSG Football Club. Sorry? You earn a lot as the manager of the club. I earn a lot. Yeah? Oh. And they say to whom much is given, much is expected. Sorry? They say to whom much is given, much is expected. When you get much, you expect to do much. Okay. And that much in PSG... Where are we going now? Okay. And that much here means the Champions League. Ah. Because every manager who has coached here have won the championship. So every manager will be judged by winning the Champions League. Okay. Because you've got a lot of big stars. You're expected to win the Champions League. Having this at the back of your mind, are you able to sleep at night? Omar, your name is Omar. We come a long way, huh? From my earnings to my sleep. But I understand you right. It's not that like I have to earn the most money so a guy can win the most trophies. It's not like this what you were saying, no. Yes, but the first thing is like I'm very aware that I earn a lot of money and it's a big, big privilege because I have the privilege to work in football and the game is like... It's like one of my best friends for me. So to work in football is a big gift. And don't tell nobody, but maybe I will work for free. We have a lot of expectations, and like you say, but we have to also be careful not to protect ourselves because we demand a lot from ourselves. But if we only, like you say, we judge all the coaches or all the teams by winning the Champions League, it means that we have a lot of disappointment, huh? Because every season there's only one winner, and there are a lot of teams who are able to win it. PSG so far has not won it. So we cannot break our heads and we cannot lose our sleep over just one single goal to win it. I lose my sleep when we play bad. I lose a lot of sleep. I lose my sleep when I don't have the solution for the next game. I lose a lot of sleep. But this is important for me to do it step by step and to not start dreaming and to not put the biggest pressure on us. Because, of course... Everybody in this competition is able to win it. But in the end, you need also to be lucky. You need to have the momentum. You need to have like a decision from the referee in some point. Maybe it's like Manchester City against Tottenham. It was like, 10 centimeters offside, onside. So what you say in the end, that the other coach was not good or the other coach was better, is sometimes we have to accept in this game. I know it's hard to accept that it's also about luck. It's also about the momentum. So, but you're right. Sometimes we lose a lot of sleep, especially in the nights after games. We lose a lot of sleep. Sometimes I break my head before the games, but I try to recover good, and I'm happy that you are concerned. Thomas. Dernière question, s'il vous plaît. Oui, Thomas, bonjour. Il part ici. Thomas,
Bonjour, Ebi Brouzakis, RTBF Radio en Belgique. Juste savoir si la principale difficulté pour le PSG demain, c'est peut-être que ça a été trop facile, peut-être lors du match aller, non ? Oh, j'espère non, mais si on a pris une leçon, on a pris une leçon à Dijon. Hein. Si on joue avec trop de confiance, si on joue avec la manière que rien peut passer, toutes les choses peuvent passer. Mais j'ai toujours confiance à mon équipe parce qu'ils ont montré beaucoup de fois qu'ils sont capables de jouer dans un niveau très sérieux et très très haut. Et pour moi, c'est une compétition à Ligue des Champions dans le meilleur niveau en Europe. Et c'est jamais facile. Mais vous avez raison. Hein? Si tout le monde regarde seulement les résultats, c'était 5-0, c'était vraiment extraordinaire. Mais on a eu, comme je dis, beaucoup de difficultés pendant quelques minutes, c'était très compliqué. Et c'est compliqué contre Bruges parce qu'ils jouent un style vraiment particulier, vraiment difficile pour adapter et pour contrôler le match, pour contrôler les contre-attaques et pour sortir de la pression. On doit jouer vraiment avec très intelligente et avec la mentalité qui est nécessaire et très très attentif. Oui, aujourd'hui je suis convaincu que nous sommes capables de faire ça, mais on doit admettre, on doit respecter le jeu, respecter l'adversaire. Pour moi, c'est normal qu'on doit faire ça pendant chaque compétition et en Champions League, c'est sans doute. Merci beaucoup. À demain. Welcome back. Well, the coach there, just before we go to Idrissa Garnagay, who will be the next man in the seat, the coach there just giving plenty of information, saying the team really learned a lesson against Dijon. Perhaps that's the best way in the end to prepare for a match against a Brugge side who will be very tough. Let's go straight to Idrissa. Sorry, we will get to you in a moment. Idrissa, here he is. Merci de lever la main pour les questions, s'il vous plaît. Bonjour Idrissa, Benjamin Quarez, goal.com. Tu es arrivé toi cette saison, mais plusieurs de tes partenaires ont déjà rappelé que c'était la meilleure équipe pour eux du Paris Saint-Germain qu'ils ont connue ces dernières années. Comment t'expliques du coup ce décalage entre les performances qu'on peut voir en Ligue des Champions et les trois défaites qu'on a déjà en championnat depuis le début de la saison et ce qui a pu être dit du coup par tes partenaires? Franchement, j'ai pas d'explication à donner là-dessus parce que je fais partie de l'effectif, donc si j'avais la solution ou l'explication, j'aurais posé ce problème avec mes coéquipiers et essayé de le résoudre. Mais voilà, on est des joueurs de foot, on essaie de gagner tous les matchs. Après, c'est pas évident. On est attendu et tout le monde aimerait gagner contre le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que des fois, on a des matchs compliqués qu'on perd, mais ça arrive et ça reste de foot. Bonjour, Dominique Sévérac du Parisien. Vous évoluez cette saison avec Angel Di Maria. Quel joueur, selon vous, il est quel joueur qu'est-ce que vous appréciez chez lui et quel type d'homme il est au quotidien quand vous le voyez à l'entraînement? Bon, Angel est un joueur très très chambreur et dans les vestiaires, il est toujours prêt à chambrer ses coéquipiers et sur le terrain, c'est un excellent joueur que j'apprécie beaucoup, qui recule jamais. À chaque fois qu'il a le ballon, il essaie toujours de fixer l'adversaire, d'essayer de trouver des décalages, d'essayer de trouver des passes décisives, des fois marquées. C'est un joueur très important pour l'équipe et on espère qu'il va garder sa forme actuelle. Bonjour, ici Ambre Godillon pour Yahoo Sport. Est-ce que personnellement vous êtes vous-même surpris par la rapidité de votre intégration, à la fois sur le terrain, dans les plans de Tourol et dans le vestiaire avec vos coéquipiers? Merci. Non, surpris, pas du tout, parce que déjà avant d'arriver, j'avais des échos et je connaissais certains joueurs. Donc, une fois sur place, c'est vrai que les joueurs m'ont très bien accueilli, m'ont ouvert toutes les portes et m'ont, m'ont,
ont permis mon intégration de bien se passer. Voilà, tant mieux pour moi. Et pour le moment, je m'entends très bien avec tout le monde. Ça se passe bien pour moi et pour l'équipe. On espère que ça va continuer comme ça. Bonjour. Arnaud Herman, l'équipe. Ah pardon, c'est pas moi, si ? Oui, bonjour. Désolé, vas-y Arnaud. Après. Alors excusez-moi, pardon. Oui, Arnaud Herman, l'équipe. J'avais une question, c'était votre retour face à Dijon, vendredi. Comment vous expliquez ce non-match et cette performance assez ratée de l'équipe, avec le recul, avec 3-4 jours de réflexion supplémentaire ? Merci. Bah, j'ai pu répondre, je crois, à cette question. C'était la première question, donc j'ai pas vraiment d'explication à donner là-dessus parce que c'était un non-match qu'on a fait ce jour-là et on essaie de savoir pourquoi. Le coach nous a parlé après le match et on espère que ça sera la dernière fois et voilà, c'est à nous de rester concentrés maintenant pour les prochains matchs et essayer de gagner tous les matchs, même si ça ne sera pas évident. Mais voilà, c'est à nous de faire ce qu'il faut et ne pas prendre les matchs faciles et être concentrés du début jusqu'à la fin. Bonjour, Philippe Sanfourche pour RTL. C'est votre première saison au Paris Saint-Germain. Est-ce que vous ressentez une pression particulière qui est naturelle dans un grand club lorsque la Ligue des Champions arrive? Mais le fait qu'il y a eu des déceptions les saisons précédentes, est-ce que vous ressentez cette pression forte au sein du club à l'approche des matchs comme ça quand on arrive dans les dernières heures avant la rencontre? Franchement, non. Je sens surtout une superbe motivation de toute l'équipe et une envie de bien faire de tout le club, mais pas de pression supplémentaire. Idrissa. Bonjour, Ebi Brouzakis, RTBF en Belgique. Je voulais savoir, voilà, vous êtes venu ici au Paris Saint-Germain, j'imagine avec de l'ambition. Cette ambition n'est-elle pas de remporter la Ligue des Champions ? Mon ambition, c'est de jouer dans ce club, de prendre le maximum de minutes qui m'est donné, après de gagner tous les matchs si possible. Et voilà, de prendre match après match. Pour le moment, on est sur le match de Bruges demain, donc on va tout faire pour essayer de gagner ce match. Oui, par là, Julien Froment de la Radio Europe 1, justement. Ce match contre Bruges, en cas de victoire, le Paris Saint-Germain serait qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Est-ce que justement, c'est pas le moment pour vous un peu de plier l'affaire et de se dire, bah voilà, c'est, on est qualifié pour les huitièmes et on peut un peu se concentrer sur le reste? C'est le moment pour nous de gagner ce match. Donc, on va, comme tous les autres matchs, on va bien se préparer comme on a pu préparer les autres matchs. C'est-à-dire ne pas sous-estimer cette équipe qui est très très bonne et ils ont beaucoup de qualités. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes au premier match. Maintenant, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour gagner ce match-là. Après, on parlera de la suite. Bonsoir, Nicolas Payard d'InfoSport Plus. Est-ce qu'il y a un peu plus de motivation pour tout le groupe du Paris Saint-Germain de jouer de la Ligue des Champions? On voit depuis le début de la compétition, c'est un bilan qui est parfait. Alors qu'en championnat, il y a eu des ratés. Vous êtes plus focalisé sur la Ligue des Champions? On est focalisé sur le championnat aussi, mais c'est vrai que la Ligue des Champions, c'est une grande compétition qui rêve de jouer tout un joueur. Donc peut-être que naturellement il y a un peu plus de motivation, mais voilà, je saurais pas l'expliquer. Après voilà, nous on est sur le terrain, on essaie de tout faire pour gagner tous les matchs, et que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Mais malheureusement, on a eu quelques défaites en championnat, donc forcément ça fait parler. Mais voilà, si ça ne dépendait que de nous, on aurait gagné tous les matchs. Bonjour Eli. Bonjour. Demain, vous allez rencontrer vos coéquipiers en sélection, Crépin Diatta et Mbaye Diagne. Est-ce que vous en avez déjà parlé de ce match? Pas forcément de ce match, mais on est souvent en contact, on se parle tout le temps. J'ai eu Mbaye Diagne avant-hier, donc voilà, c'est des coéquipiers de l'équipe nationale avec qui je suis en contact presque tous les jours. On a de très très bonnes relations, mais voilà, après demain, on va jouer contre eux. J'espère que ça va être un beau match et qu'on va gagner. Hello. You arrived here from Everton, and this is your first season with PSG. So how do you feel being in the midst of stars like that as a player, upcoming young player like this? How do you feel being in the midst of Mbappé, Neymar, Di Maria, and everyone? How do you feel? Je me sens très 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 bien.
et autour de cet effectif, comme vous l'avez dit, avec de très très grands joueurs comme Kylian, Neymar, et Cavani, Icardi, bah, je ne vais pas citer tout le monde, mais voilà, je suis entouré de très grands joueurs et je suis content d'être ici. Ça me permet de continuer ma progression et surtout d'atteindre mes ambitions qui sont de gagner des trophées. Après, voilà, j'apprends tous les jours à côté de ces joueurs-là. Un joueur comme Verratti, que j'apprécie beaucoup, comme Marquis, plein d'autres joueurs aussi qui me donne beaucoup de conseils sur le terrain, je suis à l'écoute et voilà, je suis là pour travailler, je suis là pour apporter ma contribution et essayer de tout faire pour aller le plus loin possible en championnat et en Ligue des Champions et en match de coupe qui vont arriver. Une autre petite question, que pouvez-vous nous dire sur Crépin Diatta, justement, que vous connaissez, qui est un jeune joueur, comment il est, quelles sont ses qualités? Merci. Crépin est un jeune joueur très, très ambitieux, très à l'écoute et surtout très travailleur. Voilà, il a beaucoup de qualités techniques, il court beaucoup sur le terrain, que ce soit défensivement ou offensivement. Il est capable de faire des passes décisives et de marquer des buts, donc c'est un joueur à surveiller. Bonjour, Anne-Sophie Bernadi, la chaîne L'Équipe. Neymar était de retour à l'entraînement ce matin. Comment vous l'avez trouvé? On l'a vu très souriant. Vous, quel est votre ressenti? Bah, depuis que je suis arrivé, j'ai toujours trouvé Neymar très souriant et ça change rien pour moi. Après, par rapport à vous, je sais pas, mais voilà, c'est un très grand joueur, tout le monde le sait et on est content de le voir revenir en forme. Bah, en forme, pas encore, mais il va tout faire, je crois, pour être prêt pour les prochains matchs et j'espère que tout se passera bien pour lui. Merci beaucoup. Welcome back, Sabrina. Attendez, est-ce qu'on va repartir ou pas? Plus du tout. Bon, bah, enfin, on y est. Il y a eu donc les conférences de presse du coach hein, que vous avez entendu juste avant, Idrissa Gueye, qui a donc la suivi et qui vient de terminer à l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conférence de presse? Ah, il ne veut plus parler, ça y est, il fait la grève, voilà, il est devenu muet. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, effectivement, ce qu'on peut le plus retenir, c'est cette défaite hein, de Dijon qui a eu lieu vendredi soir et qui est donc une leçon hein, à tirer pour le Paris Saint-Germain, juste avant la rencontre contre Bruges demain ici même au Parc des Princes. D'ailleurs, ça faisait un petit moment qu'on n'était pas venu au Parc des Princes hein, en Ligue des Champions depuis le 18 septembre dernier contre le Real et ce fameux 3-0. Donc Dijon. In the Champions League. C'est ce que j'ai dit en Ligue des Champions. Ça fait longtemps. Bah oui, parce qu'il n'y a pas très longtemps, hein, on était ici pour battre l'Olympique de Marseille. Mais ça, c'est une autre histoire. On a fermé la parenthèse. We can always talk about that. We can always talk about it when we're in Marseille. Sorry. On arrête. Donc c'est Dijon. Donc le match contre Dijon est une leçon à tirer. Et c'est finalement pas plus mal. Juste avant un match de Champions League qui est très important, hein, puisqu'on le rappelle, le Paris Saint-Germain peut peut-être se qualifier demain soir ici même au Parc des Princes. Effectivement, c'est un petit, un mauvais step, comme on dit, hein, une erreur de parcours. Voilà, je retrouve mon français, une erreur de parcours dans cette Ligue 1. Mais de toute façon, le Paris Saint-Germain est toujours leader. Donc effectivement, s'il y a des leçons à tirer de cette défaite, vaut mieux que ce soit maintenant qu'après. J'ai envie de dire. Hein. Je ne sais pas si tu es d'accord, coach, toi, Robbie. Certainly, the coach. He said basically there are some matches where you know you can get angry about what happened. Other matches, he said, the match against Dijon was a match of two halves, and that's probably where the lesson is to be learned. That the first half was not good enough, the second half was good enough, and that's not acceptable when you play for Paris Saint-Germain to have two halves of football that are so different. So if that's a lesson to be learned, good against a Club Brugge side that we saw in the first game. He said the first match was a lot more difficult than everyone gave Brugge credit for, and that a 5-0 victory, the biggest ever home defeat for Brugge in European competition, the biggest away win ever for Paris Saint-Germain in the Champions League as well, that 5-goal victory, but that this game will be difficult, that Brugge, the way they play with that full pressing game,
often leaving themselves one-on-one all over the park, and the difficulty that means of trying to maintain that. They did it against Real Madrid. They were up 2-0. They could have been up 3-0. They ended up getting a draw from that game. When things go your way, when you're working that hard, when you're playing one-on-one, if things go your way, you can try and keep going, but it's very difficult to go for the full 90 minutes. That's what the coach was saying. So Brugge, they're a courageous side, but Paris Saint-Germain, if they're focused, it's up to them to just be too strong for Brugge, and that in the second half, like it was in Belgium, Paris Saint-Germain can just run away with it. Effectivement, le coach a beaucoup loué en fait le courage hein, de cette équipe belge. Il a rappelé effectivement que contre le Real Madrid, hein, ça a été un petit peu compliqué pour eux, hein, parce qu'à un moment donné, on le rappelle, ils ont été menés, oui, à domicile pour les Madrilènes, ils ont été menés hein, 2-0 à un moment donné, avant que bien sûr ils ne marquent ces deux buts qui donc a résulté. Un match nul entre les deux. C'était justement juste avant la confrontation du Paris Saint-Germain là-bas en Belgique à Bruges, et qui bien sûr a terminé à 5-0 pour le club parisien. Donc le secret, on va dire, que ce soit de la part du coach ou d'Idrissa Gueye, pardon, c'est de ne pas sous-estimer cette équipe. C'est le plus important. Là aussi, la leçon qu'il tire effectivement de cette défaite à Dijon, c'est de ne pas jouer trop facilement contre ces équipes, parce que Dijon, finalement, sur le papier en tout cas, ne faisait pas si peur que ça, hein, parce qu'on rappelle qu'ils étaient quand même tout en bas du classement, alors que Paris est leader. En revanche, the coach did also say though that there was that everyone was bitterly disappointed after that match against Dijon, that in the bus, in the aeroplane on the way back to Paris, nobody talking, a real, this team, they hate losing, and that's something you don't get to this level. C'est encore plus que ça, pardon, c'est encore plus que ça, c'est que effectivement ils ne veulent pas perdre, puisque c'est une exigence hein, du standing de ce club, mais aussi le coach n'aime pas quand on joue pas. Et c'est ce qui s'est passé à Dijon, et c'est ce qui s'était passé aussi contre l'Olympique de Marseille en deuxième mi-temps, où pour lui les joueurs avaient arrêté de jouer, voilà, il a dit hein, publiquement qu'il n'était pas du tout content. Donc c'est une réelle exigence qu'il y a cette saison. C'est au-delà de perdre, le coach veut que les joueurs jouent vraiment, qu'il y ait du jeu, du beau jeu. Donc on est passé vraiment à un autre niveau en fait dans le club. We did an interview with the coach last year when in his first season, and he said what he wants is for his team to give no hope to the opposition, that they don't even think that there is a chance for them to score a goal, to get the ball out of their own half, to have a chance to score, to have a chance to win the match. And I'm sure that's what he'll be expecting tomorrow night against Brugge, 9 p.m. kickoff here, match day 4 of the Champions League, that Brugge will come here looking to play their pressing game, looking to cause an upset like they did. They have nothing to lose. They can still qualify for the next stage. And until that's mathematically impossible, every team in Group A will keep giving it everything. And that's the most important thing for Paris Saint-Germain. We cannot reiterate it enough. Victory, there are different ways it can still work out. But victory is the most simple. Victory in Paris are through to the next round again. And that's the most important thing. That's the number one objective from tomorrow night. And I'm sure if it's a 1-0 victory, Paris Saint-Germain would sign for that. La victoire, de toute façon, dans n'importe quel club de foot, hein, si je puis me permettre, la victoire est le plus important, parce que c'est là où tu détiens ton destin entre les mains et que tu n'attends pas à ce que les autres clubs fassent un nul ou perdent. Tu n'attends pas le résultat d'une autre équipe. Donc effectivement, bien sûr, l'objectif, c'est de gagner, puisque qui dit victoire pour le Paris Saint-Germain demain soir dit qualification d'office pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Europe. Et c'est une garantie que aucun autre résultat ne peut apporter, en tout cas pas pour les autres équipes. After the coach, we heard from Idrissa Gueye, the Senegal international, who spoke about his compatriots in the Brugge side and a couple of young players coming through there. They have a couple of Nigerian internationals as well who have been amongst the goals recently. Idrissa saying basically the main thing of his press conference was how well he settled in, and he said he settled in very much, but it's a great squad. They've helped him settle in. He feels at home, and that motivation to win everything is there. And that's what happens when you play with players like Kylian Mbappe, Angel Di Maria, Marco Verratti, Neymar. He said he could list them all. That playing for him, coming from Everton, coming from English football, to play here in this side, that's something that he sees. And you do get the feeling that his what he brings to this club is appreciated,
and that he feels that he's giving something to the team as well. Alors, en fait, l'intégration d'Idrissa Gueye, c'est ce qu'il nous expliquait pendant la conférence de presse, a été très bonne et très rapide, puisque déjà, il connaissait certains joueurs dans le vestiaire. Donc, effectivement, ça aide toujours, hein, l'intégration quand on connaît des joueurs. Et aussi, il a tout de suite prouvé sur le terrain, hein, dès qu'il a été transféré, il a montré ses qualités sur le terrain. Il a été adoubé par tout le monde, hein, que ce soit les supporters, les médias. Tout le monde a été complètement unanime sur le joueur. Donc, forcément, quand ça se passe très bien sur le terrain, quand en plus on connaît déjà quelques joueurs, j'ai envie de dire, l'intégration ne peut être que parfaite. Et effectivement, pour lui, jouer aux côtés de grands joueurs comme Neymar, comme Kylian Mbappé, Marco Verratti, enfin, il en a listé déjà pas mal. Il a dit, je peux pas donner tous les noms non plus parce que je pense qu'on y serait jusqu'à demain. Mais ça aide aussi, ça aide. Ça, en fait, ça tire tout le monde vers le haut de pouvoir jouer à côté de grands joueurs. That's it for us for now. That's it for the press conferences. We'll be back tomorrow. Vous avez trop vu aujourd'hui. Live from 1945 tomorrow for about half an hour before the match. We'll have the team sheets as soon, hot off the press. We'll give you the starting 11 for both sides, how Paris are playing. We'll be soaking up the atmosphere here before kickoff, and we'll be back afterwards as well with all the post-match interviews, match reports, photos, everything live, tweets, everything on psg.fr and the club's social media. We've got it covered. We'll see you tomorrow. À demain.